Ce document signé par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, comporte deux programmes de développement économique et social en faveur de la Côte d'Ivoire. Il vise à renforcer la productivité agricole du pays. Les deux parties se félicitent de cet accord qui s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-japonaise. Le premier don servira à fournir des équipements agricoles et de génie civil de confection japonaise, tels que des bulldozers, tracteurs et autres, pour un montant de 600 millions de yens, soit environ 3 milliards de francs CFA. Et le second, quant à lui, permettra d'acquérir des engrais à hauteur de 550 millions de yens, soit environ 2,8 milliards de francs CFA. Ces dons viennent assurément renforcer les capacités de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité alimentaire et améliorer le quotidien des agriculteurs ivoiriens en leur donnant l'opportunité de travailler avec des outils plus modernes. C'est pourquoi, au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, je voudrais saisir cette instance solennelle pour adresser au gouvernement et au peuple ami du Japon nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour cette importante contribution au développement du secteur agricole ivoirien. La Côte d'Ivoire et le Japon entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Le Japon appuie le pays dans plusieurs projets, entre autres la santé et la sécurité alimentaire.